Salut à tous et moi j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Frostpunk, on continue notre aventure. La dernière fois nous avons vu qu'il fallait faire le poste de réparation. Et par contre j'ai pas compris pourquoi j'ai pu mes clampins là. En fait, c'est bloqué à cause du machin de pouvoir là. Est-ce que je peux... Ressources. Non, pas poste de collecte de ressources. Ah ouais, non, il faut de l'acier aussi. Ah ouais, j'ai pas géré les quantités de bois et machin et compagnie. J'ai pas pensé que ça allait m'en demander autant. Il faudrait que je fasse que ça charpente. Ben non, si je charpente, ça va être pareil, je vais être emmerdé pour le... C'est un petit peu ce que je reproche au jeu, c'est par contre pour retrouver un bâtiment que tu as placé et puis que tu n'arrêtes pas de tourner, retourner, retourner. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Infirmerie. Ouais, c'est ça que je voulais. Moins d'une. Ah oui, je peux. Merde. Je peux. Une nouvelle loi. Sa pute. Le sport ne sera plus jamais un problème. Voilà, ça c'est ça que je veux. Parce que le mécontentement, mine de rien... Mine de rien, voilà. Mais Go to work. Lord be with us. Oui, il faut que je fasse le poste de réparation, mais il faut d'abord qu'il me fasse le bordel. Ça c'est cool. Ah ouais, il y a la nourriture aussi. Wow. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Silence ou le décor. Nous continuons à attendre la capitaine, mais les ruines restent mortellement silencieuses. Le videur, le racine élevé qui n'est plus possible de trouver des survivants. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Putain, si seulement la température 9h, ça sera pas suffisant. Oh, c'est tellement dommage. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y en attente là?
Mais si, mais c'est... Oh là là, je comprends plus rien. Ils étaient encore là, je sais pas, c'est pour ça. Ça sert à rien que je continue, parce que... Ça sert à rien. Parce que je... Voilà, j'aurais... Ouais, que je fasse 10 maisons en 7 heures, oh, c'est pas possible. 10 en 7 heures, c'est pas possible. Plus que 6 heures. Est-ce qu'en 6 heures, ils ont... Non, ils auront jamais le temps. Ils auront jamais le temps. Donc ça sert à rien de... On va les laisser. Puis... Tac. Capitaine, un groupe de prédicateurs est venu pour parler de la loi sur la pénitence publique que vous avez signée. Il pense qu'elle va trop loin. Nous sommes... Nous sommes... C'est un choix et non une obligation. Vous ne pouvez pas forcer les autres à accepter la vérité. Elle doit grandir dans leur cœur. Vas-y. Augmente l'espoir parce qu'elle va baisser d'un coup. Elle va baisser d'un coup. Non, c'est dans le fond chauffage. Poste. Ah, bien là. Unité, ben, apprends-moi ça vite, s'il te plaît, ça serait bien. Attends. Donc, toi, le problème, c'est que Dragnos. Sera là, ensuite là. Ici, c'est quoi là? Là, c'est quoi? Ici, il reste un. C'est bon, on va y arriver. Ou... Ici, il n'y a plus rien. Clés. Il y en a encore pas mal, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est la dernière. On cherche. Un peu le souci, hein, toujours tourner, on sait plus trop. On sait plus trop où et quoi en fait. C'est un peu chiant. Il serait tellement rentré plus vite. J'aurais pu. Mais là, c'est. 2 heures. Thank you.
ça. Qu'est-ce qui se passe? L'espoir diminue, le mécontentement augmente. Ouais, comment ça fait vénère quand même, hein? Une chose façon vénère. Ok. Je suis sûr qu'il va y avoir une connerie avec ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Il y a une espèce de connerie de... Je sais quoi. L'espoir est gérable. Ouais. Parce que là, on n'a pas pu, mais là, on pourrait, de nouveau gérer ça fortement. Ouais. La température va remonter, donc ça va aller. Après, elle va baisser doublement. Qui se grouille un peu quand même. J'ai peut-être dû faire un deuxième bordel là.
emplacement dans la vite. Ah bah non, mais c'est au niveau du... Ça, je ferai un autre truc de technicien et de recherche. Capitaine, un homme nous a apporté une longue liste de noms intitulés registre des infidèles de... Ouais, ok. Il jure sur sa vie que ces informations sont exactes et que ce qu'il souhaite est de les voir se repentir afin de pouvoir voir la vérité. L'ingénieur en chef de l'équipe chargée d'analyser le dysfonctionnement gender en part. Il ne cache pas son inquiétude. Je pense souvent aux drains que nous avons qui nous ont amenés ici, et notamment à celui que nous n'avons pas encore désossé. Au début, il semblerait logique de le démanteler pour réparer le générateur, mais à présent, je pense que nous devrions le préserver. Encore au cas, voyez-vous, il nous faudrait quitter la ville. Est-ce que... Ah mais non, non, c'est pas ça que je veux. Ici, il y a quoi? Plateforme de chasse. Je sais pas où c'est que je te prends. J'ai peur d'enlever dans un truc de soin. Au final, je paye le prix fort.
reculer, on retourne voilà. Voilà, au pire aller après, sauf si là ça nous met d'autres trucs encore. On va augmenter le nombre. Bah non, là, ici. Attends, stop. Ici. Je m'en fous pour l'instant. Je peux mettre à zéro. Et j'ai ici. Je dois faire quoi? Moi je veux bien que la pression du générateur augmente, mais je fais quoi? Je l'éteins? Attends, on va voir. J'avoue, là, j'en sais rien. Vas-y, ça fiche. Dissiper la foule, je fais confiance au peuple, le mécontentement diminuera légèrement. Il risque d'être blessé. Rapport sur le générateur après. Nos ingénieurs ont terminé la vérification sur le générateur. Il y a un défaut de construction catastrophique. Ouais, encore forcément. Il continuera à tomber en panne à chaque fois
que la pression augmentera. Nous pouvons la rafistoler à l'aide du poste de réparation, mais chaque réparation ne tiendra pas longtemps. Le générateur finit par exploser à cause de la pression du temps. Nid d'hiver est condamné. Bah au moins, voilà. Alors, l'ingénieur en chef. Ah, attendez. Et on arrêtera là. L'ingénieur en chef prétend qu'il reste un espoir. Le Dreadnought récent que nous n'avons pas démantelé. Si nous le réparons, nous pourrons quitter Nidiver et chercher un autre endroit où vivre. Les habitants sont toutefois sceptiques. Où irons-nous? Il n'y a rien que neige et glace à perte de vue. Leur efficacité au travail baissera. Ouais, alors les gars, testez vos trucs avant parce que là c'est un petit peu chiant à lire. Baissera de 10%. Vas-y, paniquez pas. Opératif d'évacuation. Notre seule option est d'évacuer autant de personnes que possible en utilisant le Dreadnought que nous n'avons pas entièrement démantelé. Nous devons construire un centre d'évacuation. Il faudra ensuite envoyer des ingénieurs pour réparer le Dreadnought. Ils ont besoin d'acier, de noyaux de vapeur pour réparer les quartiers de vie à bord. Il faudra également de la nourriture pour que tout le monde survive au voyage. Je crois que c'est bon ça. Ok, construire un centre d'évacuation. Le truc maintenant, c'est ça. Non. Chauffage. Exploration. Je peux construire. Faut que j'apprenne. Ah. Moi je veux bien les gars, mais si je dois le deviner où c'est à chaque fois aussi. Ça se met où ça? Ici. C'est moi. Ouais, que ce soit ici. Eh ben... Ok, bon. Ah d'accord, c'est le centre d'évacuation. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est le Dreadnought. Ok, bah c'est le Dreadnought. Très bien. Et ben, sur ce, les démons, on va se laisser là. Vous aurez la suite au prochain épisode. J'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît. N'hésitez pas de liker, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour être au courant de chaque sortie de vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.